Eh bien salut tout le monde, c'est moi Ivromix et nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Alors où je me fais passer pour un administrateur de GTA V. Alors c'est l'épisode, je sais plus c'est combien. C'est un nouvel épisode, donc vous kiffez cet épisode, ça vous fait marrer, ça fait flipper des joueurs. Donc aujourd'hui les potos, j'ai déjà tourné les vidéos. Vous allez voir comment les joueurs rage quittent plus vite que la lumière. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ils ont tellement peur qu'ils préfèrent rage quit qu'au lieu de trouver une solution et puis voilà quoi. Moi je vous souhaite un bon visionnage et ce matin il n'y avait pas de vidéo parce que tout simplement j'avais pas pu m'organiser pour ce matin. Et je pense que demain matin aussi il n'y aura pas de vidéo. Donc je suis désolé. En tout cas à partir de la semaine prochaine je vais prendre sérieusement les deux vidéos par jour. Parce que je suis en train d'organiser quelque chose de malade pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir par la suite, c'est une surprise. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et ciao! Monsieur Mehdi. Ouais. Je suis administrateur chez Rockstar Games. Je vérifie des comptes et sinon, c'est ban. Si vous n'avez pas glitché et tout, d'accord, monsieur? Oui, mais en fait, la qui. Attendez. Qui nous traite à chaque fois. Monsieur, venez avec moi, monsieur. Je vous téléporte à moi, vous ne bougez plus. D'accord? Je vais vous paralyser juste un instant, monsieur. D'accord. On va discuter, d'accord, monsieur? Monsieur. Alors, vous m'entendez, monsieur? Ouais. Je suis un admin, monsieur. Je suis un admin qui gère tout. C'est moi qui décide qu'il faut ban tout ça. Là, je travaille avec, chez Rockstar. Je vous mets un ami comme ça pour parler... Monsieur, je suis pas votre ami, monsieur. Je suis administrateur chez GTA 5. Monsieur, décalez-vous. Décalez-vous, sinon je vais vous ban. Monsieur, écoutez-moi bien, monsieur. Alors, écoutez-moi bien, vous avez... Oulala, vous avez 85 699 869 $ sur votre compte. Comment avez-vous eu tout ça, monsieur? Ben, j'ai fait des lobbies. Monsieur, vous allez être banni, vous savez? Non. Monsieur, vous avez même pas 18 ans, comment ça se fait que vous jouez à GTA 5, monsieur? Je vais vous bannir définitivement. Ne quittez pas la partie parce que j'ai votre adresse. Oh, il a quitté! Oh là là, je vais le bannir, moi, ce mec. Déjà, le petit direct, voilà, il flippe direct. Je suis parti un peu trop fort. Il faut que, pour le prochain, je vais un peu doucement. Mais vraiment doucement. Bonjour, monsieur Brock Lesnar. Oui? Je suis administrateur chez Rockstar Games GTA 5, comme vous pouvez l'apercevoir. Regardez, sur mon pseudo, c'est tout rouge. Vos parents vous autorisent-ils à jouer à GTA 5, s'il vous plaît? Oui. Alors, si vos parents vous autorisent, passez-le-moi, je dois avoir le cœur net. Sinon, ça sera ban à vie. Bannir à vie, enlever tous vos levels, votre argent, etc., etc. Ok. Un peu plus vite, s'il vous plaît, monsieur. Allô, tu m'entends? Passez-moi votre mère que pour je vois avec elle si elle vous autorise. Oui, mais attends, elle arrive. D'accord. Parce que monsieur, je travaille chez Rockstar et vous avez combien d'argent sur votre compte là sur GTA 5? Attends, je la passe ma mère. Oui. Oui. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Oui, et vous? C'est administrateur chez Rockstar Games, vous savez? Oui. Je contrôle les comptes de GTA 5 des joueurs. Et j'ai pu apercevoir que déjà votre enfant n'a pas l'âge pour jouer à GTA 5. Vous le laissez ou comment ça se passe? Oui, il joue déjà, ça fait un petit moment qu'il joue. Ah bon? Mais vous savez oui, que c'est plus 18 ans? Oui, il jouait déjà avec mon frère. Oui, mais il jouait déjà avec mon frère et c'est le seul jeu qui s'est joué. Mais madame, c'est interdit. Parce que... Bah, c'est interdit, il n'y a pas qu'à voir. Comment? C'est interdit, ça n'a pas qu'à voir. Il n'y a pas qu'à vendre, c'est bon. Comment ça, il n'y a pas qu'à... Dit... Monsieur, madame, on vend et il y a l'âge dessus. C'est écrit 18 ans. Mais monsieur, on ne joue pas ça, hein. Comment? Mais je ne joue pas le jeu là, hein. Vous pouvez parler français, s'il vous plaît. Parce que là, non, il y a... mais créole, mais parce que je ne joue pas le jeu là. Parce que sinon, votre fils sera banni définitivement du Rockstar Games. Parce qu'il a pas l'âge et il a aussi fait des glitches illégales sur GTA 5.
Attends, attends. Tu calcules toujours. En plus, c'est même pas son compte. C'est pas son compte. C'est pas son compte et le monsieur Nana, le compte, il a l'âge pour jouer. D'accord, mais ça je vais pas savoir. Et il a son PS3 là, mais son PS3 ça sera ban. Je vais procéder au ban alors. Ah la merde, ça du coup. Il est pas branché. Monsieur Brock Lesnar. Monsieur Brock Lesnar. Déjà vous avez 17 411 669 dollars sur votre compte. Alors que c'est pas normal. Comment avez-vous eu cet argent? Comment avez-vous eu cet argent, monsieur? J'ai fait beaucoup d'affrontements, beaucoup de courses. Parlez un peu plus fort, mettez bien votre micro. Tout à l'heure, vous avez gueulé quand j'étais occupé. Et là, vous parlez doucement. Alors, déjà, vous n'avez pas l'âge, monsieur. Vous n'avez pas 18 ans pour jouer à ce jeu. Est-ce que vos parents vous autorisent? J'ai 18 ans. Vous n'avez pas 18 ans, monsieur. J'ai votre adresse IP, je vous vois, là, monsieur. Si vous quittez la partie, j'ai votre adresse. J'ai votre adresse IP, je vous banne. Si vous quittez la partie. J'ai votre adresse IP, je vous banne, tout simplement. Vous avez pas été... Mais après, j'ai pas du jeu, tu m'es mort. Déjà, monsieur, parlez bien. Vous m'avez insulté, là, non? Non, je t'ai pas insulté. D'accord, on va parler tranquillement. Redescend, d'accord? On se calme, on va parler tranquillement. Vous avez fait des glitches. Je vois que dans vos sources, il y a des modeurs qui vous a donné de l'argent. Dites la vérité, au moins, ouais. Je vais vous pardonner à moitié. Oui, il y a des modeurs qui m'ont donné de l'argent, j'ai fait des affrontements. D'accord, et au moins, ça c'est fait. D'accord. Et est-ce que vos parents vous autorisent à jouer à GTA V? Oui. Pour avoir le cœur net, je dois parler à un de vos parents responsable légal de vous, quoi. Quelqu'un qui est responsable de vous. Sinon, je serais obligé de vous bannir. Même en quittant votre partie, parce que j'ai votre adresse IP, c'est noté 192 20 42 50. Là, j'ai tout. Ouais, mais il a préféré quitter. Ouais, mais il a préféré quitter, hein. J'ai dit de la merde pour l'adresse IP, j'ai même pas son adresse IP, j'ai de la merde. Ils flippent tous, c'est un truc de fou. C'est qui ? Administrateur GTA 5. C'est moi, je fais des petits contrôles sur GTA 5, monsieur, ne vous inquiétez pas, ne faites pas attention à moi, d'accord ? Ah ok. Donc quand vous avez votre... Pourquoi tu fais des contrôles? Ben en ce moment il y a beaucoup de modeurs, il y a beaucoup de glitch sur GTA 5 et là on vérifie un petit peu les comptes. Alors on va commencer par vous monsieur, comme vous avez un micro, je vais vous téléporter à moi, on va pas perdre de temps, voilà. Monsieur. Pourquoi vous avez fait ça? Je téléporte à moi monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Bonjour, vous allez bien monsieur? Ouais. Alors vous avez... C'est un modeur. Vous avez 23 267 884 dollars, c'est bien ça? Ouais. Alors, comment avez-vous eu cet argent, s'il vous plaît, monsieur? Quoi? C'est un moteur qui m'a donné. Alors, arrêtez de bouger, je serai obligé de vous paralyser un instant, sinon... Voilà, alors, un moteur vous l'a donné... Quelle heure, monsieur? C'est quoi son pseudo? Ouais. Le pseudo, c'est... Attends, je vais aller voir. Et attendez, monsieur... Non, ne quittez pas la partie, monsieur. J'ai oublié. Attendez, parce que si vous quittez la partie, je serai obligé de vous ban directement parce que ça s'appelle délai de fuite, d'accord? Je veux juste des explications. Okay. Déjà, je vous tue parce qu'il y a les flics, voilà. Et je vous re-TP à moi, d'accord? Okay. Alors, monsieur, est-ce que ce modeur vous a donné de force de l'argent ou c'est vous qui l'avez demandé? Je ne l'ai pas demandé, il est venu et a fait prendre de l'argent. Ah ouais, il vous a donné de force, il vous a obligé à prendre de l'argent, c'est ça? Ouais, bah j'en ai pris. Il m'a fait spawn sur moi. Il vous a pas demandé votre avis, vous êtes en train de dire? Non. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, c'est quoi cette tenue avec le ventre invisible, s'il vous plaît? Remontrez-moi ça. Alors, celle-là. Ça, c'est pas normal, ça, ce que vous avez fait. Donc, et vous êtes level 460, je peux regarder, attendez. Vous avez fait un compte lobby, c'est bien ça? Ouais. Pourquoi trichez-vous dans un jeu si magnifique que ça, monsieur? Parce que je joue sur PS4. Comment? Je joue sur PS4. D'accord, monsieur, je suis obligatoirement, je suis vraiment désolé, je fais que mon travail. Je vais devoir vous bannir, monsieur.
Mais... Combien de temps? Ben, comme vous êtes sympa, vous m'avez bien parlé, vous assumez que vous avez fait votre lobby, c'est bien ça? Ouais. Alors, je vous banne 2 mois, d'accord? Ok. 2 mois au lieu de 6 mois, parce que... Les lobbies... Bon, après, quand vous allez récupérer votre compte, vous serez rétrogradé au niveau 10. D'accord? Et le nombre d'argent, vous aurez... je sais pas, un petit 40 000. Ah, il a quitté. Il a quitté, le mec. Monsieur Luligan, pouvez-vous mettre votre micro, s'il vous plaît? Bonjour, je suis administrateur. Bonjour, monsieur Luligan, vous êtes modeur? Non. Pourquoi vous vous appelez mode? Ben, en fait, vous dire si c'est pas mon compte. Alors bougez pas. Et le compte de mon frère. Vous avez 242 585 $ sur vous là, c'est ça? Pardon? 242 dans vos poches, vous avez 242 585 $. Oui. D'accord, c'est bien toi. Donc c'est pour voir si je me trompe pas. Alors vous avez compris que je suis qui? Là, vous êtes un administrateur. Ouais, je fais juste passer pour vérifier un petit peu les comptes. Là, je peux apercevoir que vous êtes beaucoup glitché, d'accord? Énormément. Beaucoup. Vous êtes aussi pas majeur, c'est bien ça? Non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un un peu plus âgé que vous qui peut prendre le micro pour que je lui demande s'il vous autorise à jouer à GTA V? Oui. Dépêchez-vous. Ok, 2 minutes. Ok. Alors, bon, bah le trou du cul a préféré quitter la partie. Donc, c'est une bonne solution. C'est une solution, voilà quoi. Vous avez vu, les gars? Ils rage-quittent tous plus vite que la lumière. Plus vite que la lumière. C'est un truc de fou. Vous avez vu les joueurs? Au moins, on a fait des tests. On a vu comment les joueurs de GTA V ont flippé vraiment. Comment ils réagissent, surtout les Français, comment ils réagissent quand ils voient un administrateur. Ils préfèrent quitter. Ils quittent sans savoir ce qui peut leur arriver. Ils sont pas des steaks, mais ils préfèrent sauver leur peau. Ils préfèrent tenter un coup. Mais c'est risqué, hein. Si c'était un vrai administrateur, croyez-moi. Ça pouvait être chelou.